Voilà le lot de deux bracelets par un cord. Donc, c'est des bracelets qui sont vendus par Grand Monkey Fr. Donc, on va regarder comment ils sont faits. Voilà les deux bracelets. Comme vous pouvez le voir, très jolis, très belles couleurs. Donc, c'est un peu des couleurs qui sont un peu flashy. C'est des couleurs qui vont attirer l'attention. Donc, c'est plutôt fait exprès. Donc, voilà le bracelet. Donc, ce bracelet, c'est un bracelet de survie, on peut dire de survie, parce qu'il va vous venir en aide dans des moments peut-être difficiles. Ça peut être très utile quand vous faites de la randonnée, des grandes sorties, des fois même sur plusieurs jours. Voilà, c'est toujours bien d'avoir un bracelet, ce genre de bracelet comme sécurité. Donc sur ce bracelet, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver une boussole qui va vous aider à vous diriger, à vous orienter. Donc j'ai contrôlé, alors avec ma boussole qui est ici, le nord. Donc moi j'ai le nord ici. Et quand je contrôle avec le bracelet, voilà, je vais l'orienter pareil. Donc à quelques degrés près, le nord il est là, et là il est là. Donc à quelques degrés près, c'est la même chose, hein. Donc il n'y a pas de souci. Donc vous aurez bien le nord, donc c'est très bien. Ici on a un sifflet, donc ce qui va vous permettre d'alerter en cas de danger, etc. Donc je vais vous faire écouter le sifflet. Donc vous pouvez voir qu'il est strident, fort, donc c'est très bien. Ça, au moins vous allez être entendu. C'est ce qu'on demande à ce genre de sifflet. Ici, alors je ne vais pas le faire ici, dans cette pièce-là, parce que c'est dangereux, vous avez une pierre à feu. Donc ici, on a la partie pierre, et ici, on a la partie, on va dire, grattoir. Et on va venir gratter cette partie-ci dessus. Voilà. Et en grattant, on va créer une étincelle qui va allumer un feu. Enfin, faut quand même qu'il y ait du bois sec, du branchage sec, hein, pour pouvoir le faire. Donc c'est un minimum. C'est puissant, hein. J'ai regardé, ça fait des grosses étincelles bien chaudes. Par contre, à pas faire dans une pièce que là vous pourriez mettre le feu pour de vrai. Donc ça c'est très bien. Ici on a une corde qui est entrelacée, hein, qui permet ben, justement de le convertir en bracelet. Comme ça vous l'avez toujours avec vous partout où vous allez. Donc ça c'est un plus. Voilà. Donc vous vous promenez avec le bracelet autour du poignet et quand vous avez besoin, vous le défaites. Et voilà, vous pouvez vous en servir. Donc c'est très bien. Donc cette corde-ci, là, vous pouvez la voir, elle est là. Donc là, elle est entrelacée, bien sûr, hein, on ne peut pas voir comme ça. Mais si vous la dépliez, elle ferait à peu près, on va dire, plus de 3 mètres. Enfin, 3 mètres. Voilà. Et on voit le bout qui est ici. Vous voyez, le bout, on le voit ici. Alors je vous le montre de près. Voilà. Donc il suffit de tirer sur ce bout-là, là. On va le sortir. Vous le tirez, vous le sortez. Et après, vous l'ôtez. Il vous restera plus que les deux embouts. Et là, ça va devenir une corde. Donc ça, c'est très bien. Donc avec cette corde-là, vous allez pouvoir attacher des différents éléments. Et si vous voulez avoir des plus petits brins, enfin des plus petites cordes, vous pouvez de nouveau la couper. Et à l'intérieur, vous voyez qu'il y a, je sais pas si on le voit de près, mais on voit les petits brins. Voilà, j'espère que vous voyez. Donc avec ces petits brins, ils sont suffisamment solides pour attacher différentes petites branches ensemble. Si vous voulez vous créer un abri. Avec cette corde, vous pouvez même faire une civière. On ne sait jamais si vous avez quelqu'un qui est blessé avec vous ou autre. Donc, ça peut énormément vous dépanner. Ou alors remonter un sac qui est au fond d'un trou. Enfin, voilà. Il y a énormément de choses possibles avec cette corde. Elle peut vous dépanner dans pas mal de moments, quoi. Donc, c'est très bien. Donc, voilà. Avec ça, on se sent déjà plus en sécurité. Donc, c'est un bon équipement. Vous voyez que sur un bracelet comme ça, vous avez plusieurs éléments. Vous avez la boussole, le sifflet, la pierre à feu et la corde. Donc la corde a fait 3 mètres et elle a 7 brins à l'intérieur. Donc c'est une corde qui est comme ça. Vous allez pouvoir vraiment vous dépanner. Alors c'est un lot de deux bracelets para cordes. Ils sont vendus par Grand Monkey Fr. C'est des bracelets para cordes que je vous conseille et c'est très utile.